Bonjour, je suis Denis Tribou, photographe de scène essentiellement, avec des artistes et des grosses productions. Je travaille avec la marque Canon depuis quelques années, peut-être une vingtaine d'années maintenant. J'évolue dans des milieux qui sont artistiques, c'est du l'accompagnement de tournées, sur du gala, sur du festival, sur des clips, sur des films. J'ai un Canon 5D Mark III qui me sert beaucoup. J'ai un 5DSR qui me sert également à travailler sur des portraits, sur des choses un peu plus pointues, un peu plus qualitatives. Et j'ai également un EOS R que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps qui me permet d'utiliser mon matériel différemment. Plus sur des tournages de films ou sur des choses, il faut vraiment être très très précis, très fin, et c'est vraiment un bel outil. Je fais également les retouches et après les retouches, je me sers de l'impression pour valider cette qualité et le rendu. Avant, j'étais équipé en 9004, ensuite j'ai eu la 8004 et la Pro 4000, en fait, j'ai découvert cette imprimante sur le salon à Paris. J'étais sûrement surpris, quoi, stupéfait de la qualité de cette impression et des rendus. On avait des profondeurs de noir qui étaient impressionnantes, enfin, vraiment j'étais impressionné. Une des grosses qualités que j'ai découvert avec l'utilisation de l'imprimante, c'est la faible consommation d'encre. Là, c'était stupéfiant. Pour mes impressions, j'utilise également le logiciel Mirage qui me permet de pouvoir travailler, de pouvoir lancer ma chaîne de production. Ça me permet de contrôler mes travaux, de pouvoir les optimiser au mieux pour sortir mes impressions, surtout quand j'ai plusieurs formats différents et que j'ai besoin de lancer des planches complètes. Aujourd'hui, les photos, on s'arrête plus dessus. Enfin, on voit sur les smartphones, on voit sur les tablettes, ça passe très très vite. Le pouvoir d'une photo, au travers de l'impression, d'une belle impression, c'est que les gens vont s'arrêter sur une photo. En fait, vous avez une photo entre les mains, et là où vous vous arrêtez, c'est un moment figé, et là on s'aperçoit d'un moment. Si le moment en plus est un beau moment, qu'on a une belle impression, qu'on s'est redonné le rendu de ce moment-là, et ben on s'aperçoit qu'effectivement, les gens sont surpris. On a une restitution qui est impressionnante, et souvent, très souvent, l'artiste qui n'a plus du tout l'habitude d'avoir du papier entre les mains, et ben là, il est arrêté, ça le sort de sa bulle et il prend le temps, il se pose et il se découvre sur une photo. Une chose intéressante également sur le fait d'avoir sa propre impression, de sa propre imprimante, vous travaillez directement chez vous, vous faites vos travaux et puis c'est tout. Une autre chose qui est intéressante quand on est équipé, c'est de pouvoir voir son travail, de pouvoir un écran par exemple, on va faire un zoom, on ne va pas forcément s'apercevoir de tout, la couleur qu'on peut avoir entre notre œil à nous. Le rendu d'un capteur et une impression, on a déjà plusieurs facteurs, ce qui fait qu'on a plusieurs éléments qui peuvent nous tromper. À la finale, l'impression nous donnera vraiment le rendu qui sortira. Donc ça me permet vraiment de contrôler mon travail et de fournir au client une qualité qui sera la bonne. Canon remplit parfaitement son rôle. Le matériel me satisfait mais complètement, que ce soit mes boîtiers, les objectifs ou l'impression. J'ai une chaîne complète, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil qui me sert vraiment au quotidien. Ça répond vraiment aux besoins de professionnels que je suis. Les artistes également sont vraiment satisfaits, très satisfaits des rendus qu'on peut avoir. Et sincèrement, j'espère que ça va durer encore très longtemps. J'ai vu les boîtiers, j'ai vu les développements qui sont en train de se faire. Et sincèrement, ça va être que du bonheur.